Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux écoles de la ville d'Armentières. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre des élèves de CP et CE1 de l'école Léon Blum qui consacrent leur vendredi à des projets artistiques. C'est Madame Ricoire et Monsieur Herlemont qui vont nous accueillir pour cette première émission. Dans le cadre de notre projet d'école et des activités artistiques que nous menons à l'école, nous aimons tous les ans emmener les enfants dans un lieu culturel, notamment le musée. Il s'est avéré dès le début d'année qu'il était impossible de pouvoir se déplacer. Eh bien, faute d'aller découvrir les arts dans le lieu du musée, nous nous sommes dit qu'amener l'art dans l'école serait intéressant. En fait, on avait une thématique qui était les oiseaux. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'ils soient dans la pratique et qu'ils découvrent des outils qui sont assez simples, hein, du papier de verre, du polystyrène. Et on va transformer la forme. Donc, au départ, ils commencent, ils ont un cube. Et juste en ponçant, ils vont arriver à une sphère. Donc, il y a des notions de géométrie, mais qu'ils accèdent, en fait, par la pratique. Et c'est ça qui m'intéresse. Eh bien, je tiens à remercier M. Delmotte, notre conseiller pédagogique en art, car sans lui, nous n'aurions certainement pas trouvé M. Herlemont, qui est un artiste reconnu, mais que nous ne connaissions pas malheureusement. Et c'est grâce vraiment à l'intervention de M. Delmotte que nous avons pu trouver cet artiste qui est venu donc dans l'école. Donc là, les enfants vont pouvoir travailler au niveau de la matière, transformer la matière et travailler donc sur un volume. On va pouvoir égayer aussi le lieu de l'école qui en a bien besoin. Et voilà, donc tout le monde y est gagnant, je pense.